Mesdames, Messieurs, on l'autre fois, un gros bonsoir pour nous toutes qui fait que c'est Radio Télévision Caraïbes. Nous à quelques minutes de match que l'Argentine va jouer face à la Bosnie-Herzégovine. Un pile monde dit que c'est peut-être jeudi, hein, Coupe du Monde a commencé par rapport à match ça qui va jouer. Mais néanmoins, nous te promettons une surprise. Chose promise, chose due, et c'est surprise qui va venir là jeudi. Hein. Sous plateau, nous avons un monde avec nous, et pas n'importe lequel. Vivine Baleboul, c'est Anderson Brigard. Bonsoir, Marc. Bon, bonsoir, Domo. Et puis, je profite de dire tout le monde chez Radio Télévision Caraïbes. Bonsoir. Mais, en plus, le monde a posé cette question. Mais, ça, Brigard, fait sur un plateau de sport. Eh bien, raison simple. Là, parce que je vous dis, pour tout le monde qui songeait, ça fait exactement 40 ans. De 74 à 2014, ça fait 40 ans. Depuis. Les gloires du football haïtien t'ont fait le bonheur de tout un peuple côté football. Et heureusement, nous avons Youn dans Moun Sayo qui dans l'équipe nous. Donc, pour tout le monde en général, mais en particulier pour nous-mêmes, en dans Radio Télévision Caraïbes, son gros bagaille. Donc, nous allons fêter évidemment ça sur plateau. Ça. Et bah, pour moi, je Romel avec moi. Romel, bonsoir. Bonsoir, Brigard. Et nous avons dit tous les amis téléspectateurs Radio Télé Caraïbes, c'est pour raison ça. Nous, l'après-midi, et à travers, et nous sommes capables de dire, Zami ça, Moun ça, qui servit la communauté haïtienne, qui servit la nation, hein, nous allons rendre hommage à tout joueur 1974 qui a fait bonheur peuple haïtien, je dis, c'est Philippe Vau, naturellement. Et nous allons parler de Philippe Vau, tout le monde connaît Philippe Vau déjà. Son monde qui gagne en pile passion. En pile générosité tout le nou elle a fonctionné et pas bon ici là avec équipe là donc monde qui connaît téléspectateur qui a regardé le tout capable remarquer passion et en pile monde capable sentir tout générosité à la caille gagné Michel Soukar qui à l'occasion écrit un livre extraordinaire sur Philippe Vau et qui dit en pile bagaille sur Philippe Vau yon là d'ailleurs qui intéressé et n'a partagé avec tous amis on a l'occasion hommage ça qui est intéressant et n'a demandé Philippe Vau après s'il voulait bien sûr parce que nous va imposer ça puisque son hommage n'a pas ni l'a dit nous si c'est vrai vit ça l'irrité des années après c'est qui ça exactement la vie du professionnel c'est Michel Soukar qui a parlé Philippe Vau se déroula de façon simple et stricte nourriture de sportif repos bon sommeil deux entraînements et deux heures chacun par jour une ou deux heures de détente au cinéma ou en blague avec les copains, pas d'alcool, de cigarettes, de fréquentation féminine assidue. À l'issue des les relations sexuelles étaient malheureusement, à l'époque bien sûr, les relations sexuelles étaient malheureusement considérées comme des activités susceptibles d'affaiblir un sportif. Alors, Philippe, naturellement, Bral, dis-nous de quelle mesure le livre de Michel Soukar... Voilà, nous au dit des bagages là qui impressionnaient. C'est pas moi, c'est Michel Soukar. Argentine va jouer, en d'autres termes, en accueillir le principal intéressé, mesdames, messieurs, Philippe Vau. Philippe Vau, merci. Ah, si, c'est ça, nous mettons bien. Et c'est Shilov qui l'emmène, hein? C'est Shilov qui l'emmène. C'est Shilov qui l'emmène. Et m'a demandé Émilie pour lui porter plaque là. Pipo, on fait comme d'habitude. Émilie, capote plaque là. Merci. Alors, chichi, on va faire un carton légèrement à droite pour le jeune Philippe. Non, nous tous pouvons descendre tout à l'heure, jeune yo. Oui. Mais entre temps, Shilov. La plaque de Philippe Vau, la plaque que la RTBC a décidé d'offrir à ce grand talent. Cette légende vivante Philippe Vau, RTVC, chapeau bas pour Pipo, 1974-2014, 40 ans de support au football haïtien. Merci à Philippe Vau pour son inestimable contribution à l'épanouissement du sport en Haïti. Félicitations Philippe, merci. Oh, merci. Ça demande un grand applaudissement. Et des fleurs pour Philippe Anne. Anne, des fleurs. Les fleurs, on ne voit Anne Merlin et Jeanne. Ouais. Est-ce qu'Anne Merlin n'a boule? Ouais. Je veux pas te recevoir. Merci. Ouais. Attention, chef là. Attention. Et... Non mais,
Il y en a encore. Alors, il y a aussi du champagne pour Philippe. André, Brégal. Ouais. Je vais te dire la bière rapidement. Et, juste avant, Pibo, juste avant, dans mes régions, où les images ça pour Pibo, Pibo toujours commenter gol. Pibo toujours dit mais comment gol est passé. Pibo image ça pour toutes les amis, téléspectateurs, chaîne 22, nous allons commenter. Nous partis. Région, allez. C'est la chantine qui a joué, la première fois que vous voyez ma joue. Non, regardez derrière l'autre bois. Oui, moi c'est Pipo avec bon, un physique un peu particulier. Attention. Voilà, c'est la 46e minute de jeu du match Haïti-Italie. Et ça, puis, oulala, nous sommes au fond mon âge. Vous exagérez, monsieur. Et puis, bon, l'espace d'un signe au deuil, nous avons un mono salon qui partit là pour nous solliciter à Ben Mebala. Et moi-même, moi, c'est le petit équipe, puisque Haïti a réussi à marquer un goal. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, on a toujours gagné David contre Goliath. Bon, c'est vrai, c'est pas toujours tout le temps David gagné, mais au moins David débat le premier coup. Hein. Et l'Italie, pas jamais oublié ça, jusqu'à présent, parfois, les manières en Italie, en visite, ils ont renommé, ils ont rappelé, et ils ont pris une femme songer qu'effectivement, le débat est un pile problème. Philippe. Vraiment, mais nous tiens aussi à rendre un hommage vraiment extraordinaire à Mano, qui part avec nous, malheureusement, qui. Qui décidait, qui parle pour finir avec nous. C'est quand même oui. le grand artisan aussi. Oui. Le gol là, parce que Pasta c'est un, mais le gol là sont l'autre. Donc écoute, il y a un bon. À l'époque, il n'y a pas de fêté, il y a qui bypass, plus passe décisive, assiste, bypass. C'est le gol seulement qu'on connaît. Et à l'occasion, bon, Mano fait une voiture Fiat, puisque la maison Fiat est offrie à qui bypass, gol là, Haïti. Il y a une voiture, c'est Mano qui bénéficie de la machine là. Bon, même d'espérer pas de gauchois, mais t'as voulu moins de rechangeant, mais bon, ça va aller des Brésiliens. Je ne pas si on a une façon de dire. Mais oui, vu que le cheval commençait. Bon, dis plus, puisque Messi a chauffé. Mais justement, ma vie, Philippe. Devant la radio, et voilà, on a envie de problème. Ma vie dit, Pat, d'abord, merci. Merci beaucoup. Et merci à toute la station et à vous tous. Parce que moi, de cérémonie, ça, c'est dans la famille Vogue, je m'en recevoir. Et vraiment, et le montré dans Radio Caraïbe, il y a 4 ans de cela, à l'insistance de votre PDG, il demandait absolument qu'on vienne avec lui. Ouais. Et son monde que je connais depuis très longtemps, parce que les amis de quartier avec Tifremé, donc je connais Patrick Moussillac depuis très très longtemps. M'accepter parce que je pensais que c'était vraiment la chose à faire, puisque c'était aux jeunes entrepreneurs cap dégager les points, dans quelle mesure il est capable de sortir un tremblement de terre qui était frappé Radio terriblement. Première fois, je ici, là, c'est mes gars qui vont se voir. De un dans la rue, en bas, en tente. Donc, mes gars, dis-nous qui chemin, qui parcours. Merci, Pat. Et vraiment, le jour que je m'entraîne dans la radio, je me sentis, c'est comme une deuxième famille que je m'entraîne là-dedans. Et jusqu'à présent, je suis toujours à l'aise dans la famille. Et je voulais faire comprendre que je suis un membre qui est très important dans la famille. Et m'accepter et me remercier donc, chaleureusement. Et puis surtout, l'équipe de sport, Harold, Chichi, et Marc, et Pidgey, et Kesnol, c'est vraiment quelque chose. Philippe, elle est Philippe, elle est nous, monsieur. Que la famille se réunisse. Philippe, Jaco, que la famille se réunisse. Anne-Marine, Kesnol, que la famille. Et Philippe. Que ce soit avec. Pidgey. Avec. Brigard, Jean Monard, tous, ils sont tous des. Les modèles, tous les cadres ici ont toujours bien accueilli. Et Mbappé, les techniciens non plus. Vous savez, Philippe, et déjà. Ils font un travail extraordinaire pour permettre que toute émission sport, yo vraiment et aller de l'avant. Bon, et moi, j'étais suspect que vous m'avez consacré à arriver à demi. Parce que si je me déconnais complètement, je ne vais pas quitter dans le tennis, tant pis, ouais. Je vais nous continuer. Mais il y a tellement chicken quoi ici, il y a tellement brassé quoi que je me suspecte que Gombagay qui a fait Gombagay qui m'a dit. En tout cas, vraiment, c'est. Du fond du cœur, je vous remercie, et pas seulement à mon nom, mais au nom de toute l'équipe de 74. Parce que 74, pas de fête à Green Moon, il était fait avec un pile courage de beaucoup de compagnons. Certains sont décédés, d'autres vivent aux États-Unis, en France, en Allemagne. Et vraiment, c'est avec le fond du cœur qu'au nom de tout, Mabdino, merci. Merci en pile, et pas seulement pour Plaque-là, pour les fleurs, pour le champagne, pour l'accueil et pour cette cérémonie. Merci encore à toi. Encore une fois. Mesdames, messieurs. Et puis, Philippe, la période de sainteté, tu ne dis rien. Bon, et ce que Michel Soukara a décrit, c'est entièrement vrai.
à l'époque, a fait deux femmes à garçon, pas de bien ensemble. Pas de garçon à garçon non plus, c'est pas la seule chose. Parce que Jean-Libaga à la Roumaine, ça veut dire que pas de relation féminine, mais des relations masculines. Bon, effectivement, nous étions ensemble entre nous, mais ça n'a jamais dépassé la camaraderie. Okay? Mais ceci étant dit, et jusqu'à présent, il faut une vie modérée si on veut rester longtemps en vie. Et je pratique encore du sport, malheureusement, pas le football à cause des jointures, puisque vous comprenez qu'il y a un effet direct sur les jointures, sur les chevilles, les genoux, hanches, colonne cervicale, colonne vertébrale, etc. Nous pratiquons le tennis, mais régulièrement, une heure de temps par jour. Et avant de boucler la fête, nous toujours passer sur le terrain, mal prend ronfle, un homme entraîneur qui ne va jamais ménager moi. Et vraiment, ça aide énormément. Et Michel n'a pas eu tort de rapporter ce qu'il a rapporté. Merci. Voilà. Voilà. Et de mon bal qui était non, mais nous n'avons pas de consigne. Je voulais souhaiter un bon match parce que Argentine, ça, pas qu'à ton capitaine, ni passion de voir Jean-Bal Choupia, Jean-Bal Animea. Monsieur, nous souhaitons déjà bon match. Philippe, encore une fois, on t'aime tout plein, on t'adore. Moi aussi, je vous adore. D'être du nombre de ceux qui travaillent à Caraïbes. Si, merci. Et puis, bon, dis-nous vite parce que maintenant, ça, donc, quitté Coupe du Monde, il jouait Youn, il bat deux goals. Mais si jouait deux, il va y un goal. Je dis à Naptam Messi pour l'Allemagne, pour jouer. On a allé. Voilà. Bon match à chacun de vous. Cette décision, nous allons observer pause commerciale là avant de retourner dans le match argentin. Mais néanmoins, il faut me dire que le moins rentré dans la télévision nationale en 1999, pour nous guider à accueillir, c'était Philippe Vob. Pour nous monter un plateau, c'était Philippe Vob. Mon qui est d'aime avec écran, c'était Philippe Vob. Et c'est au monde, le lapédo, c'est avec un peu de jovialité. Si je ne veux dire, un peu de monde satisfait de travailler à Old Monde en radio-télévision Caraïbe. Quelque part, ce monsieur est pour beaucoup, parce que dans jeunesse, il était mon mentor. Merci Philippe. Ou pas gagne pour mémoire, c'est bien ça. Voilà. La pause s'impose. Mwen servi ak internet digisel la sou kle USB m, pou m ka kreye yon adres email. Le konsa, mwen fè